Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille pour Warhammer 40 000 V9 en jeu égal à 2000 points. Pour cette partie, notre premier joueur est une joueuse, c'est Témé, qui nous vient avec une énorme liste bien méta, une liste tyrannide Crusher Stampede. C'est une liste remplie de grosses bêtes, avec quelques guerriers tyrannides pour les accompagner. Face à elle, nous accueillons Bob. Vous connaissez sa voix car elle nous a proposé une belle analyse de la méta en début d'année sur Creative Wargames. Il vient à présent mener une superbe armée de la Death Guard avec une liste Terminus Est. Sur le papier, ça va être chaud pour lui. Est-ce qu'il va réussir à résister à la charge tyrannide? Réponse dans 1h30. Le tapis de jeu et les sides sont de la gamme Crank Wargame, bien entendu. Les décors sont de la gamme Mycenary. Il s'agit du nouveau lot spécial compétition. Ce lot est certifié WTC et permet de faire l'ensemble des tables du layout WTC 2022. Et vous pouvez bénéficier d'une réduction en utilisant les codes en description. Vous avez aussi des réductions sur le site My Hobby Place, notre partenaire figurine. Et puisque nous en sommes au chapitre des publicités, ne manquez pas, en toute fin de vidéo, un spot marrant et bien ficelé pour MHQ, Midi Headquarter, le site de gestion de tournois et de listes. Nous jouons le scénario Sanctuaire abandonné issu du Chapter Approved 2022. Vous avez à l'écran le détail du scénario, mais en résumé, il n'y a pas de mouvement de pré-game ou d'infiltration sur ces scénarios. De plus, vous marquez 4 points de victoire pour un objectif, 8 pour 2 objectifs et 4 de plus si vous en avez plus que votre adversaire à la fin de votre phase de co. La deuxième partie du primaire consiste à tenir l'objectif central à la fin de son tour pour gagner 2 points de victoire ou à défaut détruire une unité adverse située à 6 pouces de l'objectif central. Notez qu'il y a un bonus de 5 points à celui ou celle qui tient cet objectif à la fin du tour 5. Tous les décors plats sont considérés par nos joueurs comme des forêts. Notez enfin que ce rapport de bataille a été tourné fin janvier, c'est-à-dire avant la data slate de février. Allez tout de suite, les listes. Donc je vais vous présenter ma liste Léviathan Stampede Crusher. C'est composé donc d'un bataillon Léviathan unique. La particularité c'est que je n'ai plus de Field Open à 6. En revanche, j'échange chat contre une invulnérable à 5 sur toute l'armée. Et les monstres ont une réduction de dégâts de 1 et le fait de compter comme X figurines, X étant le nombre de PV qu'il leur reste. Donc ça c'est assez fort. C'est clairement une liste qui est très bonne, que je fais tourner depuis un petit moment et que je ne change pas parce que je trouve qu'elle est très bonne. Le chapter approve a nerfé un petit peu la liste mais très légèrement. Donc cette liste elle est composée d'un prince avec les épées synaptiques, donc en fait c'est une amélioration qui permet d'ignorer les invulnérables. Ce prince là a la timer prière pour avoir une force 7 PA -3 dommage 4, donc quand on ignore les invus ça fait quand même assez mal. Ensuite on a un prince seigneur de guerre avec deux dévoreurs et des serres perforantes. Je lui mets également la timer prière pour qu'il ait une létalité qui permette de compenser les moins 1 dégâts éventuels. Et il a la relique qui fait moins 1 bless, donc il est assez tanky, c'est un prince qui a plutôt une vocation de déblayer un petit peu ce qui arrive chez moi et potentiellement aller agresser en deuxième partie de partie. Et donc troisième QG, ça va être le Swarmlord évidemment, donc là on touche en fait un peu à l'ADN du Stampede qui est une armée qui se projette extrêmement rapidement grâce à cette figurine. Tout simplement on peut faire bouger deux fois en phase de tir une unité, donc ça peut être un monstre, ça peut être un prince, ça peut être des guerriers, et ça offre en fait une projection et une alpha possible avec les Aviards et à la fois avec une unité de corps à corps, ce qui est quand même très fort, donc clairement voilà, c'est un peu une nécessité. On va passer maintenant aux troupes. J'ai 3 fois 3 guerriers en bioknout, donc ça permet de taper en mourant. C'est une option que j'aime beaucoup parce que ça permet de rendre un peu rendre le trade un peu plus difficile pour votre adversaire dans la mesure où il peut perdre lui aussi des figurines à son tour, donc je trouve ça intéressant. Ils ont aussi, les 3 ont le plus 1 la touche que je peux mettre sur une unité flotte-ruche, et ensuite j'ai un quatrième pack de 3 guerriers qui est exactement pareil mais lui n'a pas l'adaptation pour avoir le plus 1 la touche. Ensuite j'ai un pack de 6 Aviard, donc une unité un petit peu augmentée dans le chapter approve. Clairement ça se joue toujours, mais aujourd'hui il y a une vraie concurrence qui se fait, en Stampede en tout cas. L'unité est toujours bonne, elle a toujours des outils, donc je l'ai conservée. J'ai ensuite 2 Sighted Hierodul, donc c'est des grosses bêtes qui ont 18 PV et qui tapent assez fort et qui ont l'option de. Enfin qui ont un lance-lame. Et moi j'aime beaucoup cette unité parce qu'en fait elle a cette appétence à gérer à la fois le gros,
l'élite et la masse. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est une unité que je joue depuis longtemps, a été renforcée par, dans le cadre du Stampede. Et effectivement, c'est devenu une très très bonne unité. Et enfin, la dernière, c'est une nouveauté, c'est un Barbet d'Hérodule. Donc c'est la même chose que l'autre en termes de châssis. Il a l'avantage d'avoir une 2+ d'armure, donc ça c'est intéressant, ça lui permet d'avoir une sauvegarde assez basse pour pouvoir tanker un peu plus. Il n'a pas de lance-flamme, en revanche, il échange ça contre en gros 12 tirs, donc c'est en 2 armes, donc on peut le splitter, de force 8, PA-2, dommage 2. Alors j'aime beaucoup cette entrée, depuis le Stampede essentiellement et depuis le Codex Léviathan, parce qu'en fait il touche à 3 de base. Et en fait aujourd'hui on peut le faire toucher à 2, et donc vu que les Heavy Guards touchent déjà à 2, en fait on retrouve la même létalité que des Heavy Guards, avec le défaut de ne pas avoir l'ignore cover et l'ignore ligne de vue, ce qui est moins bon. En revanche, j'ai un dégât 2 net, ce qui permet de ne pas rebondir sur des D3 qui feraient des dégâts 1, et surtout ça m'offre une possibilité de dégâts 3, donc c'est intéressant. Voilà, et c'est aussi des Heavy Guards qui n'ont pas besoin d'être entre guillemets protégé par des FEP, parce que clairement, venez me chercher, ce genre de figurine n'a pas de problème à aller déblayer des figurines qui viendraient de cliquer, sachant que les armes ne sont pas blazes, donc on peut aussi tirer au corps à corps, donc voilà. Donc c'est une liste qui tourne bien, clairement le Stampede est aujourd'hui top codex, j'affronte une liste qui est Dead Guard, donc un petit peu en dessous, on est clair. Toutefois la liste, on en a discuté avec Bob pour que la partie soit intéressante aussi, il a une armée très populeuse, qui peut être un petit peu compliqué à appréhender pour le Stampede, déjà parce que j'ai pas beaucoup de super OP, lui en a beaucoup, et en plus les monstres tyrannides n'ont pas beaucoup d'attaques finalement, donc il va falloir que je rentabilise toutes mes attaques vraiment, et probablement pas jouer de manière hyper agressive non plus, dans un but de conservation de ressources pour essayer de limiter sa présence sur table au fur et à mesure de la partie. Voilà, on va jouer les nouveaux scénarios également, donc ça on joue un scénario qui n'a pas trop d'ADN de nouveaux codex, enfin de nouveaux CA. Il n'y a pas d'action à réaliser dessus. Par contre, le système de primaire bis va être assez structurant, je pense. Est-ce qu'on expose des ressources au centre ou pas, enfin, on va voir. Et donc, je vais commencer la partie avec 9 points de commandement. Alors, pour ce rapport de 2000 points compétitif, je joue mon armée de cœur, qui est la Death Guard. Donc, pour rappel, la Death Guard, ce sont des gros Space Marines renégats et hérétiques qui sont contaminés et qui vénèrent le dieu Nurgle, le dieu de la peste et des maladies. Donc, c'est une armée relativement lente, mais somme toute très tanky. Pour ce rapport de bataille, j'ai choisi d'aligner une liste Terminus Est. Pour ceux qui ont regardé la tier list, on sait que le codex tyrannide est quand même relativement puissant et que le codex Death Guard est plus bas dans la tier list. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. On a décidé avec Aimé d'essayer de construire un match-up intéressant et je suis un membre actif du Warhammer Forum, donc on a beaucoup discuté de cette liste. Donc post-chapter approve de cette liste, toutes les unités ont pris malheureusement des nerfs en points, donc on va voir ce que ça donne sur table aujourd'hui. Terminus Est, ça consiste en quoi? C'est la compagnie de Papa Typhus. C'est une compagnie qui est essentiellement basée sur l'infanterie puisque vous n'avez pas le droit d'utiliser des véhicules. Mais en contrepartie, vos unités d'infanterie et plus spécifiquement les véroleux bénéficient de buffs intéressants. Et quelques tricks de jeu qui vont vous permettre aussi de vous déployer en frappe en profondeur et quelques disciplines de sorts supplémentaires qui vont donner des buffs en tout cas à votre armée que vous n'auriez pas dans une compagnie standard. Donc l'armée de renom pour résumer. Mon armée elle est constituée donc d'un bataillon Terminus Est qui est mené par Papa Typhus ou Jean-Michel Typhus comme je l'appelle. Papa Typhus a donc ses traits de seigneur de guerre qui sont ses traits signature plus le trait Terminus Est qui est cadeau. Ensuite je joue un Malignant Plague Caster. Ce Malignant Plague Caster donc il est tout vanille, tout classique. Ce Malignant Plague Caster lui il est équipé avec des sorts justement de la discipline Terminus Est. Un qui permet de choisir une unité à 18 pouces et de réduire sa pénétration d'armure de 2, donc ce qui est quand même très fort puisque vous êtes lent, vous voulez avoir un minimum de résistance par rapport aux impacts des autres, donc ça c'est un premier buff. Et la deuxième chose intéressante c'est qu'il
a un second pouvoir qui s'appelle la peste pulmonaire et qui permet en fait limiter les charges de l'adversaire de l'unité ciblée à 6 pouces, d'interdire les courses, et de mémoire je crois que c'est tout. Et ce petit malignant, il a droit à une petite relique, donc je lui ai mis ce qu'on appelle je crois que c'est les fumerolles, ce qui permet d'augmenter la portée de ses pouvoirs de 6 pouces, puisque la portée moyenne est de 18, donc ça fait un peu court, donc à 18, à 24 on est quand même mieux. Ensuite, en choix de troupe, comme on est en terminus est, ce sera 4 fois 20 pox. Donc le pox, c'est vraiment, on va dire, l'épine dorsale de l'armée, c'est super OP. Malheureusement, ça fait qu'une seule action qui est contaminer les objectifs, qui est un des secondaires signatures de la Death Guard. Mais dans le scénario présent, je ne l'aurais pas sélectionné, on verra après pourquoi. C'est une bonne unité d'attrition parce que pour 2 PC, en fait, elle me permet de coller en moyenne 12 mortales pardon, sur ce que je charge. Donc c'est quand même relativement impactant. À côté de ça, ils ont des tricks de rip-up donc qui permettent de prendre les objectifs et aussi de pouvoir re-amener sur la table une unité de pox qui aurait été quasiment détruite pour un coût quand même relativement élevé de 3 PC. En troupes, en second choix, nous aurons 2 x 5 plagues marines. Si j'ai pris les plagues marines, habituellement dans les builds précédents, on n'en voyait pas. Maintenant, avec le CA 2022, on est fortement engagé à faire des actions. Malheureusement, sur ce scénar, il n'y en a pas. Mais c'est l'occasion pour moi de vous montrer la mécanique de frappe en profondeur qui vient avec Terminus Est. Donc pour un certain coup en PC, je peux placer mes unités en frappe en profondeur, unité qui n'y aurait pas droit habituellement. Et ça me permet de tenter justement un secondaire que j'aurais pas l'habitude de prendre, qui est retrouver les données de Nashmund. En choix d'élite, c'est là que la Death Guard en a le plus, donc vous allez voir, il y a un peu de volume. J'ai pris 2 x 5 Terminator Rouillark qui sont équipés d'un fléau pour pouvoir aller au corps à corps et d'un combi fuseur sur le champion. À noter qu'une des deux unités bénéficie du stratagème de champion des maladies et donc dispose d'une relique qui est le crâne pestiféré de Glotilla. Vous verrez, je dis souvent crâne pestiféré de Clotilde quand j'en parle, qui permet de gratuitement cibler une unité à 6 pouces et de lui donner un certain nombre de mortels en fonction d'un jet de dés. C'est une relique qui est quand même relativement forte et qu'on voit dans toutes les listes. Ça permet de pouvoir sniper un patron, on va dire, de façon un peu gratuite, quoi. Même si ça vous coûte un PC. Toujours en élite, on va retrouver les Terminators des Shrouds. Ceux-là, on les présente plus. Ils sont iconiques de la Death Guard. C'est des Terminators vraiment d'attrition. Ils sont équipés de leur faux qui fait relativement mal au corps à corps. Ils ont le mot-clé Bodyguard. Donc en fait, ça permet d'avoir un châssis pour protéger les personnages relativement intéressants. Dans le CA 2022, malheureusement, ils ont pris un petit up en points, mais maintenant, le second gantelet gicle-peste du champion est gratuit. Petite consolation. Ensuite, en choix d'élite, donc sur le dernier slot, on va retrouver les Virions, parce qu'aujourd'hui, en Death Guard, c'est difficile de sortir sans. Le premier, c'est le Taliman, donc pareil, tout le monde le connaît, c'est une pompe APC qui permet de donner plus 1 pour toucher à une unité en phase de commandement. Donc ce qui va s'avérer utile, notamment sur les Terminators Death Shroud, puisque eux, quand ils tapent, ils ont un moins 1, ça permet de le compenser. En second choix de Virion, on va retrouver le Full Blade Spawn, donc qui malheureusement vient de prendre 15 points avec le CA, mais qui, somme toute, me semble obligatoire dans les listes Death Guard, du fait de sa relique signature, qui lui permet d'annuler l'initiative de charge de l'adversaire à 6 pouces, et ensuite sa capacité native à lui, qui lui permet de mettre un Fight Last à 3 pouces. Je lui ai bien sûr mis le pathogène de mort visqueuse, qui lui permet de relancer gratuitement son nombre de tirs de lance-flammes. Donc ça fait un total de 100 points, donc il commence à être relativement cher, mais pour moi il reste obligatoire puisque déjà l'armée d'aimer est très mobile, mais même globalement vous êtes un Death Guard, vous avancez pas vite, donc ça vous permet en fait d'avoir une relique de défense à l'impact puisque c'est rarement vous qui allez avoir l'initiative de corps à corps. Alors la partie d'aujourd'hui, donc c'est ça qui est intéressant, aujourd'hui on va tester le CA 2022. Si vous êtes un wargamer, normalement vous êtes censé être au courant, à moins que vous soyez hors des réseaux sociaux et que vraiment vous ayez raté l'information, enfin je vois pas vraiment comment. Le scénario d'aujourd'hui, il est particulier parce qu'il n'a pas d'action, ça change vraiment la donne par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça va être un peu une partie playtest pour moi. D'autant plus que je joue Terminus Est, donc vu que la Death Guard a été très mal servie, on va dire, avec le CA 2022, beaucoup de sel a coulé, hein, j'ai beaucoup partagé avec les autres joueurs Death Guard. Je salue Yogafeu d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup partagé sur la Terminus Est. On sait que bah, ça risque d'être difficile là pour ces premiers mois de saison.
Donc l'idée avec Aimé, c'était de voir ce que ça donnait en Terminus Est et puis surtout de proposer un match-up intéressant puisque donc, le Codex Tyrannide, il est très haut dans la méta, dans la tier list, et le Codex Deathguard, il est très bas, enfin il est plus bas en tout cas. Donc on voulait essayer de trouver un équilibre pour que la partie, elle soit sympa pour vous, pour nous, et qu'on passe tous ensemble un bon moment. Je démarre avec un nombre de points de commandement de 9, mais comme j'ai choisi d'utiliser le stratagème Terminus Est qui me permet de mettre des unités buboniques Astartes en frappe en profondeur, je démarrerai donc ma partie avec seulement 6 PC. Ok, donc on va vous présenter nos secondaires. Je vais commencer. Donc j'ai pris engagé sur tous les fronts qui devrait me permettre de sécuriser un certain nombre de points de secondaire parce que la liste a vocation à aller vers l'adversaire et donc ce sont des points qui entre guillemets se scorent indépendamment de l'adversaire, donc c'est de bonne disposition de prendre ça. Voilà. Pour répondre à ça, étant donné qu'on est sur les objectifs de prise de table, moi j'ai choisi la domination parce que ma liste Terminus Est a énormément de super OP, la liste de Aimé en a moins, en tout cas moins qui peuvent se projeter, moins de masse. Donc potentiellement, en me déplaçant relativement vite et en me positionnant correctement sur 3 objectifs, j'aurai la possibilité de marquer donc 3 points à la fin de chacun de mes tours de joueur. Yes. Ensuite, j'ai pris nos pas de prisonniers, qui consiste à faire un compte du nombre de PV par figurine tuée. Donc la liste de Bob en a un certain nombre. En plus, il y a des stratagèmes pour faire revenir des unités, donc ça va accrémenter ce score-là. De toute façon, ma liste est une liste agressive, donc va dans la destruction. Donc c'est un objectif qui, de toute façon, si la partie se passe bien ou pas, ça sera un secondaire que je ferai naturellement. Donc c'est dans cette orientation-là que j'ai pris pas de prisonniers. Voilà. Alors. Vu qu'on est sur les objectifs plutôt d'attrition, eh bien, vu que ma liste est très populeuse pour répondre aux pas de prisonniers, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que moi je suis parti sur tuer les gros. Ah oui, puisque j'ai plein de gros. Parce que t'as plein de gros, c'est-à-dire que c'est un peu la liste Kaiju. Ouais. Aimé potentiellement peut donner 15 points avec sa liste que je compte tenter d'aller chercher, puisque c'est 3 points, c'est ça, hein, par grosse bête. De toute façon, t'as tout intérêt à le prendre, parce que si clairement on ne tue pas les monstres, la partie ne sera pas bien engagée tout pour à toi. Fait. Donc c'est un secondaire qui me semble cohérent en choix, exactement. Ensuite, moi, mon dernier secondaire, ça sera toujours de l'attrition, parce que j'ai pas envie de faire des actions. Donc ça sera tuer les personnages. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir sanctionner des erreurs de placement grâce à ma mobilité, etc. Et de pouvoir, entre guillemets, obliger Bob à soit garder ses ressources protégées chez lui pour qu'elles aient moins d'impact, soit les exposer au risque de les perdre. Et de toute façon, si j'ai comme ambition de raser tout le monde, donc on n'aura plus personne pour se cacher. Même la barbe. j'aurais probablement accès au personnage, donc c'est dans cette optique-là, sachant que j'avais pas d'autre choix. On sait qu'on est en chapter approve 2022, donc a priori on nous guide à faire des actions. Donc moi j'avais prévu dans ma liste 2x5 Plague Marine qui sont là pour faire des actions. Or sur ce scénario-là, il n'y en a pas. Donc au vu du placement des objectifs, j'ai choisi quand même d'utiliser une des capacités de Terminus Est qui permet d'envoyer en frappe en profondeur mes unités de PM et donc de tenter un objectif que je ne prends jamais en Deathguard qui est Retrieve Narmoon Data. C'est l'ancien brouilleur en fait, l'ancien Retrieve Octarius Data. L'objectif qui vous demande de faire une action dans chacun des quarts de table, à plus de 9 pouces des autres quarts de table, et qui permet. C'est 6 ? C'est 6, j'ai dit 9 ? C'est 6. Et qui permet donc de scorer une incrémentation de points, 4, 8, 12 de mémoire, en commençant à partir de 2 quarts de table dans lesquels on a déposé les brouilleurs. Ok, donc mon déploiement, je me suis déployé un peu en fonction des objets évidemment, puisque on a donc des objectifs au centre de table, un au milieu qui est important sur ce scénario-là, puisque c'est le fameux primaire bis qui va nous permettre d'incrémenter notre primaire en plus du scoring qu'on a pu connaître. Donc un renforcement au centre de la table, ça permet aussi de s'orienter en fonction de l'orientation que prend la partie. Voilà, donc j'ai mis mes deux bases de tir un peu sur les latéralités. Les Hive Guard au niveau de ce décor ici, ils sont cachés hors ligne de vue, pas tant parce que la liste de Bob ne tire pas vraiment. C'est plutôt pour avoir une possibilité de tirer
sur l'entièreté de la table. Ces Heavyar sont jumelés de l'autre côté par le Barbet Zerodule qui se trouve ici et qui du coup lui a l'avantage d'être des Heavyar qu'on ne close pas. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est cool. Voilà. Ensuite on a donc les deux Sighted Zerodule qui sont mis un petit peu de part et d'autre, soit pour pouvoir rejoindre le centre, soit pour pouvoir aller se poser sur les objectifs latéraux. Parce qu'on a quand même la notion de primaire à prendre en compte. Et ensuite, j'ai donc mes guerriers qui sont placés en fonction des buffs qui vont être amenés à donner. Donc on a un pack de guerriers à côté du Barbed, un pack de guerriers qui va être à côté des Heavyard, et ensuite un pack au milieu qui lui va pouvoir buffer un petit peu mon centre en termes de plus 1 à la touche. Et ensuite, j'ai mon pack de guerriers qui, lui, n'a pas le plus 1 à la touche. C'est le pack avec les couronnes violettes. Lui, il a vocation à aller prendre la table et s'exposer. Comme ça, je peux le perdre, je conserve mes buffs de plus 1 à la touche. Voilà. Et ensuite, j'ai ma force de frappe un petit peu rapide avec les princes. Donc, il y en a un, celui-ci, qui te permet de faire une relance intégrale sur les Heavyard qui est à côté d'eux. Voilà. Ça va être important parce qu'il y a beaucoup de forêts sur la table. Donc du coup, on va être amené à avoir des moins 1 à la touche. Donc la full reroll va être intéressante. Et ensuite, j'ai le combo Swarmlord, Prince ailé, double épée au centre de la table pour aller menacer à 32 en fait de mouvement. Donc on va pouvoir probablement se projeter, soustraire des ressources à l'adversaire rapidement. Pourquoi pas se poser sur des objectifs. On peut imaginer par exemple ici, il y a très peu de présence sur table. Donc je peux avec très peu de ressources prendre les points ici et l'obliger ensuite soit à abandonner ici, soit aller prendre des unités pour les mettre par là. Donc voilà, il y a pas mal de plans dans ma tête qui se dessinent. Et puis on verra bien comment Bob réagit. Voilà, donc je le rends la main à Bob pour la présentation de son armée, de son déploiement. Alors, donc pour mon déploiement de ma merveilleuse armée Terminus Est, le scénario étant avec des objectifs qui sont vraiment sur le centre table, j'ai choisi d'avoir un déploiement quand même relativement agressif. Autre point, comme j'ai pris le secondaire domination, j'ai choisi de pas jouer tous les objectifs, et potentiellement laisser un peu celui-là vacant pour me concentrer vraiment sur les trois qui sont présents ici, ici et ici. Au niveau de mes poses, donc comme je le disais, je me suis déployé de façon agressive. Donc on va retrouver notre grand-papa Jean-Michel Typhus qui est juste ici, étant à 3 pouces là de mes Terminator d'Eshrard, pour pouvoir bénéficier de sa règle bodyguard, mais pour pouvoir quand même envoyer du psy. Ensuite, mon second QG, il est là, c'est le Malignant Plankcaster, donc pareil, placé aussi à 3 pouces des Deathshroud ici pour bénéficier de la règle bodyguard et quand même pouvoir envoyer du psy, notamment sur les choses qui vont arriver là, pour pouvoir mettre des debuffs. Ensuite, on n'a vraiment pas fait dans la dentelle, on a mis les 4x20 pox en ligne droite devant, l'idée étant de bénéficier du stratagème Terminus Est qui permet de les faire avancer de 7 pouces et potentiellement soit d'aller swarmer les objectifs avant que Emen arrive, soit inversement à aller charger ces gros qui potentiellement viendraient sur les objectifs centraux. Ensuite, toujours avec les troupes, on a donc les 2x5 plaques marines qui sont ici, qui attendent sur le pont du Terminus Est le signal de Jean-Michel Typhus qui leur dit « Allez les gars, c'est le moment d'aller sur table ». Ensuite, pour les choix d'élite, donc j'ai dispatché mon armée, je pense que vous avez vu au détail de la liste d'armées, j'ai que des doublettes quasiment, donc j'ai 5 Terminator Rouillard qui sont ici, suivis par les 4 des Shroud, et j'ai fait la même formation en fait de l'autre côté. 5 Terminator Rouillard et 4 Terminator des Shroud. L'idée d'avoir fait ça, c'est que ça me fait des chaussons pour pouvoir mettre mes virions. Donc le premier virion, il est placé juste là. C'est donc le Full Blight Spawn. Donc en fait, avec son aura de 6 pouces, ça lui permet en fait de couvrir les Terminators et donc d'éviter de se prendre une charge qui serait trop violente. Et de l'autre côté, nous avons le Taliman qui vient faire la pompe à PC, qui est aussi lui dans son chausson de Terminator. Pour le reste, a priori, je pense que j'ai tout dit. On va faire maintenant le dé pour savoir qui commence. C'est parti. Oh, on va relancer. Attention. Le suspense est à son comble. Bon, il est vraiment là. Il est vraiment à son comble. Ah, non. Très bien. Écoute, je ne pensais pas avoir un intérêt particulier à commencer. Toutefois, je pense que ça va être un avantage dans le cadre de mes placements que je parlais au début de partie. Je vais pouvoir tout de suite
polariser un petit peu la partie, et donc c'est toujours un avantage, je pense, de commencer. En tout cas, je pense que c'est avantageux. Ça ne me fait pas peur de commencer et ça me va. Voilà. Personnellement, Aimé le sait, j'aurais préféré commencer pour pouvoir swarmer la map tout de suite. Ouais. Malheureusement, je vais d'abord prendre des tirs. Donc, il va s'agir de faire son Death Guard et de tanker fort. Ok, donc c'est parti pour ma phase de commandement. Je vais passer à 10 PC. Faut savoir que c'est une ressource importante désormais. J'ai maintenant une phase de commandement pour un codex V8, c'est à noter. Cette phase de commandement va s'articuler de la manière suivante. Je vais mettre un plus 1 à la touche avec ces guerriers-là sur le pack de Heavyard. Je vais mettre une full reroll de ce prince sur les Heavyard. Eux vont mettre un plus 1 à la touche sur notre ami ici. Et eux vont mettre un plus 1 à la touche sur le barbelier rouge. C'est la fin de ma phase de commandement. Je profite de ta fin de phase de commandement puisque j'ai donc un Taliman qui me permet de récupérer un PC à la phase de commandement de chacun des joueurs, mais attention, un seul par round de bataille, sur un 7+, sur 2D. Et c'est un oui. C'est arrivé, c'est récupéré. Ok, donc fin de ma phase de mouvement. Donc j'ai fait ce que j'avais dit. En gros, je veux pas offrir des charges trop rapides à Bob sur ce flanc-là. Donc je vais attendrir celui-là. Et en fait, le but, ça va être de grignoter ce flanc pour l'enfermer chez lui, en fait. Et avoir, du coup, cet objectif-là un petit peu safe pour moi. Vu qu'il n'y a pas de tir en face, j'ai fait avancer mes Heavyard. En plus, ça va me permettre d'ignorer cette forêt-là. Donc, de toute façon, -1, je l'avais. Donc, autant là, je ne l'aurais peut-être pas. Donc, c'est pas forcément déconnant. Mon prince reste là-bas pour avoir cette projection. Et j'ai placé mes lance-flammes pour... En fait, le but du tour, c'est de cleaner ça, cleaner Typhus et de repartir. Donc on va voir comment ça se déroule et on verra bien. Voilà, c'est parti pour ma phase de magie. Je vais enchaîner, je vais lancer une déferlante sur mes Heavyard avec ce prince là pour qu'il puisse bouger avec des armes lourdes sans avoir de malus. C'est un sort qui passe à 6, qui rate. Je vais ensuite lancer un catalyseur sur ce hiérodule là. Ça passe à 6. Quand je dispelle. Tu n'y seras pas. Non, je n'y serai pas. Ah, c'est celui-là là-bas. C'est celui-là, okay. Ouais. Je vais lancer un paroxysme sur le pack de derrière. Qui passe, ça sent fort, qui passe à 5. Abjuration de Jean-Michel Typhus. C'est à 6, c'est abjuré. Ensuite, il va lancer un hurlement psy. Qui passe à 7, c'est un des 3 mortels. Tu auras d'autres sorts à lancer, ouais, mais après, tu ne pourras plus la dispel après. Donc, tu as tout intérêt à essayer de dispel. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Tout à fait. Hop là, et c'est dispel. Et maintenant, on va lancer les sorts agréables. On va mettre une invue à 4 sur ce brave homme. Non, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose, donc je vais lancer plus que plus des 3 attaques sur ce prince-là. Et ça rate. C'est la fin de ma phase de magie. Pas terrible, mais je prends. Voilà. C'est parti, je vais commencer ma phase de tir. Le hiérodule qui est ici, le plus loin, va tirer sur les pox violets. 3d6 tirs. Ce sera 7 tirs sur du 3+. Ça fait 5 fils de peine, du coup. 5 films de pain à 6. J'en sauve 2. Et ben, j'ai donc 3 morts. Je vais poursuivre. Je vais faire le deuxième hiérodule dedans. 12 tirs. Sur du 3+. Ça fait 8 films de pain. 8 films de pain à 6. Ça fera donc 8 morts. C'est moins bien que tout à l'heure. C'est moins bien que tout à l'heure. Mais dans les stats, on est là. Ok, on va poursuivre. Je vais faire tirer les Heavyard. Donc les Heavyard, je pense qu'il n'y en a aucun qui n'a le malus des forêts. Yes. Donc, on va tirer à 3+, full reroll, puisque je me suis déplacé. Tu cibles quelle unité? L'unité de violet. L'unité devant? Toujours l'unité de violet. C'est parti, 3+, full reroll. C'est stable. Et sur du 2+. C'est stable. Ah, ça l'est moins quand même. Moins de reroll quand même. Et 3. Ouais. Alors ça fait 3 dégâts 3, 2 dégâts, 3 dégâts 2 et 2 dégâts 1. Eh bien, à l'issue de tous ces feel no pain, malheureusement, le tanking n'a pas été là. Mais bon, en même temps, on est sur du dégâts multiple, donc ça tanque pas autant. Mais il reste plus qu'un seul pox. Donc on enlève. Hop. Le barbet d'hérodule met tout dans les pox de derrière. C'est parti. Non. C'est du 2+. Et c'est de nouveau du 2+. Ça fait tout ça en dégâts 2. Je t'invite à lancer tout ça et puis de relancer si tu as des 6. Ok.
Hop. Sur du 6. Ouh. Mais attends, faut refaire et maintenant, il faut refaire la même chose. Attention. Bah, t'en sauves un. J'en sauve un et donc je prends 7 morts, ouais. Je vais refaire bouger mon ami le prince. Qui va bouger ici comme cela. Et je vais retirer avec mes Elgardes. Pourquoi je vais retirer? Parce que j'ai pas du tout envie. En fait, ce que je veux faire, c'est forcer Bob à, en fin de compte, utiliser le plus tôt possible dans la partie son repop de Pox. Comme ça, au moins, j'ai toutes les infos. Et après, c'est fini. Voilà. Donc, je veux appuyer tout de suite. Comme appuie. Ça. Appuie. Vas-y, exactement. Vas-y, appuie. Du coup, je vais payer un PC. Deux PC, pardon, excusez-moi, pour pouvoir retirer avec mes Edgards. Ouais. Ils sont toujours en 3 plus reroll. Je vais pas prendre de risque. Je vais mettre deux Edgards sur le gars qui reste, même si c'est un peu hors stat, mais je veux assurer la mort de ce Pox-là. Et le reste, ça va partir là-dessus. C'est parti. Je commence par sur du 3 plus reroll sur le premier Pox. Oh, il est mort. Il est mort. Et donc la deuxième salve, full touche, et c'est sur du 2+. Et donc c'est du D3 dommage. Alors là il y a 2 dégâts 3, celui-ci était un dégât 2 et 2 dégâts 1. Donc à l'issue de mes jets de Feel No Pain, comme on est sur du dégât multiple et qu'on n'a qu'un Feel No Pain à 6, c'est compliqué, donc je perds 7 pox. Voilà, et du coup on va passer à ma phase de charge, qui va être très brève. Mon prince ici va charger Typhus. C'est une charge qui passe. Je vais me mettre. Donc, tu n'as pas d'intervention héroïque possible avec eux. Non. Donc, je vais me mettre à plus de 3 pas de ces gens-là. Comme ceci. Un fichier a sauté dans le warp. Il me manque le moment où le prince tyrannide découpe proprement Typhus au cac. Ça aura tout de même coûté un PC à aimer pour une relance. Et je vais payer un PC pour utiliser le stratagème invasion. Je vais donc passer à 6 PC. Et je vais avoir le droit de rebouger d'un mouvement normal dans la direction que je le souhaite au lieu de faire mon mouvement de consolidation. Mon prince a les glandes surrénales qui lui permet d'ajouter plus 1 à ce jet, donc il bouge à 17, plus 1 des 6. Il bouge donc à 19 par ici, dans la forêt. Et donc ça m'amène à la fin de mon tour. Donc c'est un très bon tour, on va pas se mentir, j'enlève quasiment 2 paquets de pox. Et je retire l'élément buffer de Bob et je me positionne tout de suite sur la latéralité que j'avais signalée au début. Donc c'est plutôt bien parce que ça me permet de marquer 2 points d'engage, d'avoir fait un certain nombre de nos prisonniers que je compterai à la fin et en plus de devoir tuer un personnage qui je crois est ton seigneur de guerre. Qui est mon seigneur de guerre. Donc je marque 4 points sur un premier tour, c'est très bien. Et je me suis positionné sur le premier objectif et du coup ce qui va engendrer Bob à venir me détruire cette figurine pour espérer me reprendre les points. Je suis loin quand même. Hein. T'es loin. Et on va tenter. Et, donc, tu, voilà. Et tu scoreras aussi 2 points puisque tu tiens le centre à la fin de ton tour. Donc tu marques 2 points. Je marque 2 points sur le primaire au premier tour. Incroyable. Incroyable. Début de la phase de commandement, terminus est. Nous avons pris des pertes, mais nous sommes toujours là. Donc mon but maintenant, ça va être potentiellement d'aller chercher les cibles qui sont prenables et surtout de commencer à avancer sur les objectifs. Je vais donc en phase de commandement, j'ai un plus 1 à donner avec mon Taliman, mais ça s'avère un peu anecdotique. Et potentiellement des rip-up de Pox, mais étant donné que mes unités de Pox ont été lavées, je vais plutôt tenter de payer 3 CP pendant ma phase de renfort, fin de ma phase de mouvement, pour faire revenir les 6 Pox à effectif complet par un des bords de table. Donc voilà, ils sont juste ici. Et on va essayer de mettre ça en place. Et je regagne un point de commandement. Alors soyons clairs, pour ce premier tour on a cramé du point de com, puisqu'on en a cramé 5 au total. On en a cramé 2 pour pouvoir utiliser le stratagème qui s'appelle Unleash the Horde, donc qui permet à tous les Pox d'avancer de 7 pouces au lieu des 4 habituels. Ce qui m'a permis donc de me projeter sur cet objectif ici, de déplacer mon gros pack jusqu'à la moitié du champ de bataille. Donc durant ma phase de mouvement, on a déclaré que les 4 Death Shroud ici vont réaliser l'action Retrieve Narmund Data, donc retrouver les données de Narmund. L'objectif secondaire a changé. Maintenant, il faut lancer un dé et faire égal ou en dessous du nombre de figurines de son unité et vous avez droit à un bonus si vous êtes troupe. J'ai donc 4 Death Shroud qui ne sont pas troupes. Je réussis donc mon action sur un 4 ou moins. C'est un 4.
Je marquerai donc 0 points pour le moment. Ici avec les Terminators, j'ai essayé de m'avancer un petit peu pour pouvoir profiter du couvert, même si c'est quand même pas incroyable, on va pas se mentir. Et donc, j'ai utilisé un stratagème à 3 PC qui va me permettre de faire revenir une unité de POX qui était entamée et pas terminée. Cette unité, elle était cachée juste ici, et donc je vais la faire revenir par ce bord de table. Donc voilà mon placement après l'arrivée en renfort de ces POX. Le but en fait c'est de se mettre, donc on ne peut pas se mettre à moins de 9 pouces hein, des figurines ennemies. Donc l'idée c'est de se mettre à 9 pouces des guerriers carnides, tenter une charge quand même relativement gamble avec potentiellement un PC de reroll. Le but étant en fait de pouvoir monter sur cet objectif et de le contester pour contester le primaire d'aimer. J'enchaîne de suite avec la phase psychique. Pour ma phase psychique, je vais donc cibler ce gros monsieur ici et je vais tenter de lui mettre une peste pulmonaire. On est en plein dans la saison. Du coup, c'est un sort qui passe sur du 7. Hop, c'est un 5, ça ne passe pas. C'est malheureux. J'ai 3 points de commandement, donc non, je ne le rerolle pas. Et je vais donc encore cibler ce monsieur et je vais tenter de lui mettre moins 1 à la PA sur du 7. C'est un 8. C'est la fin de ma phase psychique. Coupé. Phase de tir, ça va être très rapide. Je vais tirer avec mon full blight spawn juste là. Donc le full est ici. Hop, il est caché, il est juste là. Il va tirer ici avec son gros flammeur. C'est un dé de 6 tirs relançable. C'est un 5. On va le garder, on va pas le relancer. Force 8, endurance de 7. Ouais. Je blesse donc sur du 3. Tout à fait. 3 plus. Ça fera donc 4 saves. PA moins 3, dégâts 2. Invulnérable à 4. Je prends joli. Un PV. Ce sera donc tout pour ma phase de tir. Nous arrivons donc à la phase de déclaration des charges. Je suis donc rentré sur le côté, on l'a dit, c'est une charge à neuf. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. En l'occurrence, vu comme la partie est engagée, on va tenter des trucs un peu velus. Donc il faut arriver à faire une charge à neuf sur les guerriers tyrannides. Attention, la charge à neuf. Ça ne passe pas. Je tente la relance. Attention, sur du neuf. Charge à 12, Ali. Allez, en avant, charge à 12. Donc on va swarmer cet objectif dans la joie et dans l'allégresse. Hop là. Voici le positionnement de mes POX après donc ma magnifique charge à 12. Et nous allons donc attaquer la phase d'activation. Tout à fait. Donc j'ai claqué un PC pour reroll l'intégralité de mes touches de POX. Bon, en fait, ma liste consomme pas tant de PC que ça. Donc je m'active, je fais donc mon pile-in. Alors le but étant de mettre le maximum de figurines sur l'objectif en gagnant les 3 pouces et d'être à portée d'engagement avec tout le monde. Hop. Alors je vais enlever l'étage, c'est ça qui est magnifique avec ces superbes décors, c'est qu'on peut enlever l'étage. Voilà le placement du coup de mes POX après le pile-in et maintenant on va s'activer. Alors, on est parti pour cette charge des braves POX, donc il touche à 4+. Full reroll grâce au stratagème Terminus Est, non, au stratagème émissaire, pardon. Hop, donc on relance sur des 4+. Hop, donc on n'en a pas raté beaucoup, on est content. Et maintenant, on blesse sur du 4+. Pourquoi? Parce qu'on a une force de 3, le guerrier a une endurance de 4, mais comme il est dans mon aura de contagion, il passe à endurance de 3. Force 3, endurance de 3, sur du 4+. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, ce qui est très en dessous en fait de la stat. 5 sauvegardes à 4+, et bien je perds un guerrier, et ça va être ce guerrier ici. J'ai des bioknouts, ce qui me permet de rester sur place, et donc de faire maintenant mon activation pour pouvoir taper normalement. J'ai 3 guerriers qui vont taper après avoir fait mon mouvement de peeling. Tout simplement, lui qui est engagé avec celui-là, celui-là se rapproche pour récupérer la cohésion avec le premier. Et je fais taper mes 9 guerriers qui vont toucher à 3+. Et qui vont blesser à 4+. Et ça fait 2 feel no pain parce que c'est PA moins 2. 2 feel no pain à 6, papy Nurgle. Oh ben, oui, j'ai un mort. Un partout. Et je retire mon guerrier. Du coup, j'ai droit à mon mouvement de consolidation. Tout à fait. Alors, fin de ma consolidation. Donc, l'idée, en fait, c'était de contester l'objectif et de le récupérer pour moi. J'ai placé donc 15 POX sur l'objectif.
sachant que Aimé, elle a une figurine ici et que le prince potentiellement peut compter pour 12, donc ça fait un total de 13 à 15. À l'issue donc de mon tour 1, j'aurai donc marqué seulement le secondaire domination puisque je contrôle 1, 2, 3 objectifs à l'issue de mon tour. Et pour le reste des secondaires, il va falloir attendre le tour 2 pour scorer. C'est parti pour mon tour 2, je vais donc gagner 8 points de primaire parce que je contrôle 2 objectifs et je vais mettre la full reroll sur mes heavy guards, le +1 à la touche des gardes sur les heavy guards, le +1 à la touche de ces guerriers là, ça va aller sur lui et le +1 à la touche de eux va aller sur lui et j'attaque, on se retrouve après ma phase de mouvement. Ok, donc j'ai avancé sur la table. Le but, ça va être de rentrer vraiment dans la partie en nettoyant un peu ça. Je suis pas sûr de pouvoir le nettoyer réellement d'ailleurs, mais on va essayer de le faire. J'ai payé un PC pour que lui passe super OP. Comme ça, ça me permettra de contrer en fait son super OP à lui pour entre guillemets lui réduire son primaire quoi qu'il se passe, parce que je pense que je tuerai normalement quelques pox. Ensuite ici j'ai préparé une agression là pour pouvoir détruire un petit peu la partie Terminator et commencer à le gêner, hein, voilà clairement. J'ai préparé une charge avec mes heavy guards sur les pox, parce que mes heavy guards sont toujours en full reroll des touches, avec +1 à la touche, donc ils vont taper un peu. Donc leur volume d'attaque va toujours être prenable en vrai. Et puis après, j'ai posé mes unités pour pouvoir faire un peu de lance-flamme, de tout ça. Et puis on va passer à la phase de tir. Et pendant ta phase de commandement, normalement sur un 7, tu récupères un PC. Et non, c'est un 4. Ah, ça c'est bien, du coup tu restes à un PC. Je reste donc à un PC. Ok, et bah c'est parti pour la phase de magie. Je vais me mettre à côté de toi. Oui, viens, approche. Notre ami ici va mettre un smite dans les box. Un smite qui passe, qui n'est pas abjurable. Ça fera une mortelle dans les pops. Fin de pain à 6, c'est tanké. C'est tanké. Incroyable, c'est pops. Il va mettre un catalyseur sur les aviards, qui passe à 6. Lui, il va lancer un Fight Last sur l'unité de Deshrod ici. Le but étant de contrer le fait que ma charge ne sera pas considérée comme ayant chargé. C'est un sort qui passe à 7. Là, je vais tenter l'abjuration parce que ça change vraiment l'ordre de lancement. Donc, c'est impactant. C'est à 5, ça ne passe pas. Et je vais lancer ensuite un hurlement psy sur les Terminators. C'est un sort qui passe. Tu ne peux plus abjurer ? Oh non, je n'ai plus d'abjure, j'en avais qu'une seule. Ça fait des 3 mortels. Ce sera une. Une mortelle. Une mortelle dans un Deathshrew, dans un Terminator. Dans un Terminator, très bien. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au Swarmlord qui va mettre plus des 3 attaques sur lui. C'est un sort qui passe à 6. Qui passe. Et il va mettre ensuite, il va mettre une invue à 4, ça n'a pas grand intérêt. Il va mettre une invue à 4 sur lui. Ça passe. On va ensuite se retrouver pour la phase de tir. Donc pendant la phase de tir, j'ai fait tirer mon lance-flamme qui avait -2 à la PA. Vu que là-dessus, ça ne servait pas grand-chose, j'ai fait tirer plutôt mon lance-flamme là-dedans. Ça a tué quelques pox. Ça a été accompagné par les gros tirs qui en ont tué encore un peu plus. Donc là, on a bien nettoyé le pack. On va rester ici, mon Swarmland va faire son mouvement de 9 pour venir ici, sur lui-même. Ensuite, j'ai lui qui a tiré un peu au lance-flamme là et qui a pas fait grand-chose, qui a grignoté un bonhomme. Et là, on passe au tir des Heavy Guards qui vont tirer sur les gars qui sont les Terminators. Et c'est parti. Donc, je touche à 3+ parce que j'ai bougé. Et c'est parti. 3+ full reroll. J'aurais dû utiliser les 6 exploses. C'est stable, hein? C'est stable. C'est stable, le collectif. Et sur du 3+. Et j'aurais... Et ben donc, du coup, tu as tout ça en sauvegarde. C'est super. Oui, c'est vrai que les explosifs, ça aurait été bon. Hein. Ça aurait été bon, ouais. Ça aurait été très, très bon. Alors, bah, allons-y. Sauvegarde. Hop, sauvegarde à 4 ingénieurs. Bon, bah, c'est pas trop mal. Du coup, c'est des 3 dégâts. Hein. Des 3 dégâts. Donc, il y en a un premier qui avait perdu 2 PV. Il y en a un qui a perdu 1 PV. Un seul. Donc, je fasse un 5 ou 6. Ok, donc il est mort. Et ensuite le deuxième. Et deuxième est mort. Deux PV. Hop. Du coup, on passe à la phase de charge. Regardez bien. Je vous avais saucé avec des zoanthropes. Je vais maintenant vous saucer avec des Hive Guards. Je charge avec mes Hive Guards les pox. Incroyable. Charge à 9. Du coup, c'est bien. En plus, je me pose bien au calme là où j'ai envie. Voilà. Le prince va également charger les pox.
J'ai fait combien? J'ai fait 6. Alors, ouais, je vais rester comme ça. Ça me semble bien. En plus, l'avantage, c'est que Bog ne peut pas interrompre, donc je suis libre comme l'air de taper. Ici, important, le gros va charger les Terminators. Alors, c'est cassé, mais je pense que ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Du coup, le prince va charger les Terminators. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Donc ici, j'ai fait une charge assez faible, mais qui me suffit largement à passer. En gros, l'idée, c'est que je vais faire des mortels en lançant 11 dés, parce que mon prince a perdu un PV, pour faire des mortels. Je le fais. Il prend 6 mortels, donc il y a deux Terminators. Il reste notre ami qui est ici. Je suis à moins de 4 pas de ce Terminator-là, dans le pire des cas. Ce qui veut dire que je vais pouvoir lui taper dessus. Donc là, mon prince n'est pas engagé. Donc, lui, ne pourront pas s'activer. Parce qu'en fait, je ne suis pas considéré comme ayant chargé, puisque je suis dans l'aura du Full Blaston. Toutefois, là, lui ne pourra pas s'activer avant moi. Et du coup, quand j'aurai tué ce Terminator, si toutefois j'y arrive, je pourrais m'en aller parce que je serai à plus de 3 pas du Full Blaston. Voilà. On va passer aux charges ici, qui vont être des charges assez rapides. On va commencer par le Swarmlord, qui a une charge à 10, et qui va globalement se mettre là. Et ensuite, le gros... Une charge à 11. Véloce, exactement. J'en ai terminé avec mes charges. On va passer au combat. On va commencer par notre ami le gros hiérodule. Il touche à 2+, relance. Parce qu'il a des grosses griffes, il relance les 1. Et il blesse à 2+, parce qu'il a force 10. Et il fait quand même 2-1. Et bah écoute, on part du principe qu'il y a 2 morts, parce que c'est dégâts minimum 4. Oui. Le Swarmlord va s'activer et va envoyer ses 6 attaques plus sa queue. Et ben on va profiter qu'on ait des dés de couleur pour faire la queue en blanc. C'est parti. C'est du 2+. Oh, merveilleux. C'est du 2+ de nouveau. Je fais une mortelle. Donc tu as 100 dégâts 3 et une mortelle. Je pense que tu peux faire que la mortelle. Ça devrait être suffisant. Non. Tu perds donc 4 pox supplémentaires. Oui. Donc ici, l'avantage, c'est que j'avais mis 8 super OP, ce qui veut dire que même dans le cadre de... J'ai laissé des figurines vivantes. Vu que je compte comme 18 figurines plus 12, j'ai virtuellement 30 figurines sur l'objectif. Donc, je suis super OP, donc je suis tranquille normalement pour la conservation de cet objectif-là. Ensuite, on va passer au Prince Tyrannide. Le Prince Tyrannide, il va taper. On va refaire pareil. Il a une attaque de queue. Toutefois, là, je vais repayer un PC pour que toutes les unités qui sont engagées avec les Pox... Vu qu'ils sont engagés par une unité qui vole et une unité qui ne vole pas, je vais relancer tous les jets de touche de 1 et tous les jets de blessure de 1 qui ont, je vais cibler l'époque. C'est le stratagème Léviathan. Donc c'est parti. Le prince tape. Ok, donc il y a 2 morts sur le prince. On va poursuivre avec les Hive Guards cette fois-ci. Donc les Hive Guards, je vais les faire peeling pour qu'ils puissent tous taper. J'ai 10 attaques, j'ai 2 attaques par Hive Guard, donc c'est du 3+. Reroll entièrement parce que j'ai toujours mon maître de l'essaim qui a été placé sur les Hive Guards et maintenant c'est de la force 4 endurance 4, c'est donc du 4+ reroll les 1. Magnifique jet de dés. Ouais. Bravo. Et ben ça te fait 100 sauvegardes à 6 de Finn. Hop. Allez les gars, Finn Le Pain, Papy Nurgle. Et ben écoute, j'en sauve 2, ça me fait donc 4, 6, 8 morts. Comment tuer 8 pox avec des Hive Guards au close. Du coup, je vais répondre avec mes pox. Donc, on va compter combien il y en a qui peuvent taper. Majoritairement, je vais essayer d'en mettre un maximum sur les guerriers tyrannides, vu que je les ai déjà entamés. Mais malheureusement, il n'y en aura quand même pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux mettre 6, 7 pox. Donc, ça fera 14 attaques. Et après, bah, les autres iront dans les... Je vais faire les 3 qui vont aller dans les gardes tyrannides. Ouais, vas-y. Hop. 3 dans la Hive Guard. Ça touche à 4. Ça blesse à 5. Ça fait 2 saves sur la Hive Guard, je te prie. Sauvegarde à 4+. Voilà. Et ensuite, on a les autres. Donc, on avait dit... Tu m'as dit 7. 7, voilà, c'est ça. Donc, 14 attaques sur du 4. Et re sur du 4. Sur du 4, toujours. C'est ça. Donc ça te fera 4 saves, je te prie. 4 sauvegardes à 4+, c'est parti. Et ben, j'ai un mort supplémentaire. Évidemment, ce sera celui-ci pour garder mon super OP. Sur l'objectif, bien et sûr. Il va taper quand même, donc on va le faire dans la foulée.
Deux morts supplémentaires. Deux morts supplémentaires. Et je retire mon guerrier. Ok, donc du coup ici, j'ai voulu faire un tricks un petit peu. Et en fait, en réfléchissant aux règles, je me suis aperçu que ça marchait pas. En gros, je voulais charger et faire les touches d'impact puisqu'il y avait l'unité avec laquelle j'étais engagé avait perdu des PV. Du coup, j'ai mis 6 mortels, j'ai tué le gars qui était engagé avec moi et un autre. Et je me suis dit, comme ça, c'est très bien. Bob m'a annulé la charge, donc je ne combats plus en premier. Donc, ça aurait été à lui de s'activer prioritairement. Mais vu que, en fait, ma charge m'a désengagé, vu que je ne suis pas considéré comme ayant chargé, je ne peux plus faire mon engagement taper et conso. Donc, moralité, mon prince est bloqué là à cause de moi toute seule. J'ai fait une bêtise. Donc, il va rester ici. C'est con parce que du coup, là, il y avait un ninja d'objets possible. Donc, je vais donner des points à Bob gratos. Et je lui ai offert un petit peu mon prince. Donc, c'est comme ça. Et du coup, voilà. C'est la fin de mon tour. Ok, alors, donc, j'ai fait ma petite riposte. Mais elle est assez anecdotique. Hein, là, sur les trois pox, j'ai voulu taper le Swarmlord. Et donc, en fait, je lui ai plus fait des caresses qu'autre chose puisque je ne lui ai absolument rien fait. Ce qui clôture donc ton tour, Aimé. Tout à fait. Donc, j'ai fait mes 3 points d'engage grâce à mes 2 princes. J'ai fait un certain nombre de nos prisonniers, mais sans contrat à la fin. Et ensuite, chose importante à compter, tu as un test de commandement ici. Tu as perdu 4 mecs. Tout à fait. Hop, test de morale à moins 4. C'est un bon. 3, c'est tanké. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, là, de par mon erreur, bah, Bob va marquer 5 points de primaire. 4. 4 points de et primaire. Et oui, on est en 2022. Et moi, je marque 2 points supplémentaires parce que j'ai contrôlé le centre. Tout à fait. Voilà, et je te rends la main. Merci. Début de ma phase de commandement, j'ai un stratagème qui me permet de faire remonter des pox. Malheureusement, sur l'objectif ici, si j'en fais remonter, j'arrive pas à contester le nombre de figurines qu'Aimé a mis, puisque les Stampeds, eux, font que le prince qui compte pour son nombre de points de vie soit 12 figurines. Donc même si j'essaye de relever des figurines, ici, je pourrais pas récupérer le point, parce que le rip-up se fait en début de phase de commandement et le scoring se fait en fin de phase de commandement. Donc là, je pourrais pas le récupérer. Par contre, sur ce côté-là, en phase de commandement, on a un petit buff à donner. Un petit buff de plus 1 du Taliman, donc qui est caché derrière. Le Taliman, il va donner le plus 1, je pense, au Terminator Blight Lord. Vu qu'on est en phase de commandement, donc je récupère un PC. Et vu que j'ai un Taliman et que mon Taliman pompe des PC, on va tenter de pomper un PC sur du 7+. C'est ainsi, ça ne passe pas. Fin de ma phase de commandement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Globalement, c'était pas un mouvement très compliqué. Ici, on va s'avancer avec l'Epox, le but étant de charger ce gros monsieur pour lui mettre un maximum de mortels à l'aide de mon stratagème de reroll et de mortal. Ici, pareil, décider d'avancer. En fait, le but de charger, c'est de pouvoir gagner de la distance. On notera que là, je vais envoyer ma relique sur cette figurine-là pour lui coller des mortels avant d'aller à l'impact. Le sorcier s'est placé ici pour pouvoir potentiellement mettre son sort soit ici, mettre ses sorts de debuff. Derrière les Terminators, ils avancent aussi. Le but étant de charger là et ou alors potentiellement de charger ici en fonction de ce que je vais faire durant ma phase de psy et ma phase de tir. Ici, de toute façon, je suis verrouillé, je ne peux pas engager. Et comme je l'avais dit en début de partie, j'ai mon stratagème qui me permet de faire entrer des figurines en frappe en profondeur. Je vais donc aller chercher 5 petits plagues marines qui attendaient sur le pont du Terminus Est. Et en fait, on leur envoie le go-go-go. Et au moment où ils rentrent en frappe en profondeur, ils vont déclarer le fait de faire Retrieve Narmund Data. Hop. Fin de la phase de mouvement, j'avais donc dit que j'allais activer le fameux crâne de Clotilde donc qui est monté sur ce Terminator-là. Le but étant donc on va lancer 7 dés, je choisis une des unités, donc en l'occurrence j'ai choisi de prendre le prince de Aimé. Pour chaque 4, le Swarmlord pardon, pour chaque 4 plus que je fais c'est une mortale et pour chaque 6 c'est des 3 mortales. Papinurgle. Hop, j'ai donc déjà 2 mortales plus 1 des 3 avec le 6, ça fera donc 4 mortales. Phase psychique, je vais donc lancer... je vais essayer d'aller cibler le gros papa là-bas. Je ne sais pas si j'y suis à 24 pouces. Je n'y suis pas, donc c'est gênant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler gros papa ici et on va tenter de lui mettre moins 2 à toute la PA de toutes ses armes. Hop, c'est un 10, ça passe. Je vais essayer de l'abjure avec le Swarmlord. Comme j'ai fait plus de 7, le Swarmlord va prendre une mortale cadeau. Ok, et eh ben, je prends... Hop, et du coup, je vais essayer d'abjus. Non, et je vais payer un PC. Non, non, tant pis. Et ensuite, je vais mettre un smite sur le Swarm, sur le Swarmlord. Ok. Tout simple. C'est un smite à 11. Moins 1, 10.
Moins 1, 10. Ah, du coup, ça m'enlève mon C critique. Ah, bah oui. Mais comme c'est quand même plus de 7, tu prendras quand même une mortelle cadeau. Tout à fait. Plus un des 3 mortales. J'ai le droit de dissiper. Oui, t'as le droit de dissiper, c'est vrai. Non. Et du coup, ça fera un total de 3 mortales. 4 mortales, pardon. Une cadeau plus 3 du smite. Ok. Et ce sera tout pour ma phase de psychique. Alors, à la phase de tir, du coup, j'ai tiré au combifuseur ici et là, avec mes combifuseurs de champion Terminator. Du coup, j'ai enlevé pas mal de PV au prince tyrannide, sachant que, comme il lui restait des PV, j'ai décidé d'activer tous mes gantelets souffle peste pour lui enlever ses derniers PV. Il se trouve qu'avec les petits gantelets, bah, je blessais sur du 6. Reroll, par contre, avec l'archicontaminateur. Ça a fait combien, 5 saves? Oui, c'est ça, ouais, 5 saves. J'en ai raté 2, donc il est mort. J'ai claqué une relance, mais je l'ai raté. Et donc maintenant, j'ai payé un PC de plus. Donc pour un total de 2 PC, je vais faire des 3 mortels. Je vais commencer par des 3 mortels ici. 3, il est mort. Ici, 1. Et lui, 1. Donc lui est mort, un des Shroud a perdu un PV et le lance-flamme a perdu un PV. Ok. Et du coup, là, on voit que l'erreur m'a coûté très cher parce que ça m'a coûté mon prince et 2 PC. Je suis content. Je suis content. Ok. Phase de charge, donc. Pour ma phase de charge, c'est relativement simple. Ici, j'avais prévu, je m'étais positionné pour tuer potentiellement le prince tyrannide au corps à corps si jamais j'arrivais pas au tir. Là, j'ai envie de garder mon objectif, donc j'ai pas spécifiquement d'intérêt à tenter une charge ici, sachant qu'en plus, le lance-flamme, il peut faire mal. Remarque, je l'ai débuffé. Donc, à voir. Je verrai tout à l'heure si je fais quelque chose ou pas. Par contre, ici, là, c'est certain. Les pox vont charger ici pour mettre un maximum de mortels sur ce gros monsieur. Et tout le reste du pack, ici, va venir impacter le Swarmlord pour le terminer. Alors, la charge des pox. C'est une charge à 7. Donc là, l'idée, c'est de gagner un maximum de mouvement pour aller chercher l'objectif. Donc voilà mon positionnement après la charge. Maintenant, il va falloir séquencer la charge ici. Donc ce que je vais faire, pour tenter de le réduire à un maximum de PV pour éviter des contestations, ce genre de choses, ou des mauvaises surprises, ou des mauvaises blagues, ce pack de Terminator va venir charger ici. Et le pack de Deshrao devrait être relativement suffisant pour pouvoir finir les points de vie restants au Swarmlord. Donc la charge des Terminator, sachant que, attention, je suis dans une forêt. Néanmoins, je n'ai pas de malus en tant que bubonique Astartes pour pouvoir charger à travers les forêts. C'est donc une charge à 11. Je pense que nous sommes sur une charge relativement stable. Hop, j'enlève les petits points de vie, on les remettra après. Ou on les remettra pas. Ou on les remettra pas. Hop, la grosse charge à 11. Hop, on vient s'installer. Nous sommes de valeureux Death Guard. Hop, la charge à 11 ici. Ensuite, donc on a la charge des Death Shroud juste là. C'est une charge à 6, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ils sont valeureux. Hop, donc celui-là, là. Donc on va quand même essayer d'en laisser un derrière pour pouvoir garder la cohérence ici et le côté bodyguard pour éviter que je me fasse sniper gratuitement mes personnages. Donc là, vu comme je suis positionné, normalement, je devrais pouvoir taper avec, avec les 3 figurines ici. Là, je me suis engagé, j'ai pas besoin. Voilà pour ce positionnement. Et maintenant, je vais voir ce que je fais avec ce paquet-là. Alors, j'ai bien réfléchi du coup pour ma charge. Je vais pas y aller, je vais plutôt avoir une approche défensive. Pourquoi? Parce que même si je lui ai retiré 2 à la PA, donc il tape au corps à corps maintenant à PA 1 et son lance-flamme à PA-1 aussi. Si j'y vais, en fait, je le tue pas. Parce que maintenant, en Stampede, il y a moins un dégât partout. Et moi, je fais que du flat 2 quand je tape. Et comme ce gros monsieur a une endurance de 8 et que moi, j'ai une force de 7, même si je la réduis à 7, ça fera une blessure sur 4+. Donc, on est un peu faiblard au niveau des statistiques. Et je peux pas le saturer avec ma force 5. Conclusion, je vais plutôt jouer défensif, garder mon objectif, et patienter, et plutôt lui donner l'initiative, puisque moi, dans tous les cas, je pourrais potentiellement lui mettre un fight last ou lui annuler sa charge avec mon full blade spawn. Donc activation de mes Terminators. Donc là, je viens faire mes 3 pouces de consolidation. Hop, donc j'irai pas plus loin, j'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que là je suis à 1 demi-pouce de cette figurine, et lui est à 1 demi-pouce de ses camarades. Donc ça va me faire un total de 16 attaques, c'est-à-dire 3 x 5 plus 1. Je me suis mis plus 1 avec le Taliman, je toucherai donc à 2 plus. Oh là, je fais des figures. Ok, donc c'est plutôt bien. Et ensuite, force 6, endurance de 7, ce sera sur du 5. Ouais. Reroll des as parce que arme de la peste. Ça fera donc un total de 3, de 4 saves, 5 saves, ma bonne aimée. PA-2. 5 saves, PA-2, dégâts 1. 4 plus.
Eh ben, je prends 4 PV. Est-ce que tu souhaites m'interrompre ? Non. Ok, bah je vais poursuivre. Donc, ouais. Activation des pox. Donc là aussi, on a un très gros pile-in. Le but, en fait, c'est de 1. Maximiser le nombre de figurines qu'on a sur l'objectif. Et 2. Faire en sorte d'avoir le plus possible de pox qui tape pour malmener le plus violemment possible notre petit ami qui est installé sur l'objectif. Là, je pourrais gratter un peu pour venir là, au plus proche. Là, de toute façon, donc ça va être... Alors, installation des pox juste après le pile-in, je vais claquer 2 PC, donc malheureusement j'ai que 13 pox qui tapent, mais le but c'est quand même de te faire un maximum de dégâts, ma chère aimée. Donc je n'ai plus de PC, mes PC dégagent. Le but de mes PC c'est quoi? C'est de faire des mortels sur des 6 à la touche. Alors attention, sur les 1 c'est moi qui les prends. Et un stratagème de full reroll, donc c'est le stratagème justement Terminus Est, qui va me permettre en fait de tenter de maximiser les 6. Donc il va falloir sortir un maximum de 6 avec 26 dés. C'est parti pour les 6. Oh là là, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Remarque, c'est statistique. On n'est pas loin des stats, ouais. On est un peu en dessous quand même. Oh non, on est en dessous. Hein. Hop. 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 Donc ça fera un total de 6, 8, 9, 7, 9 mortales. Ok. 9 mortales. Et moi, par contre, j'en prends. Moi, j'en prends 4. Plus les touches classiques qui sont juste là, hop. Donc on va garder les 9 mortales. Mes fils no pain à moi. J'en réussis un, donc j'aurai 3 morts. T'as des fils no pain ? Ouais, j'ai 3 mes fils no pain. C'est pas la figurine slime ? Non, c'est je me prends une blessure mortelle. Ok. Les deux, ils passent pas. Donc je vais mettre juste 2 dés blancs à côté pour me rappeler qu'on a fait que j'ai les 9 mortales. Hop, et que moi j'ai 3 morts. Et maintenant, maintenant il faut faire les touches. Il faut que je te blesse et je te blesse sur du 6, oui. Hop, donc ça fera 4 sauvegardes classiques. A de plus. Et ben j'en prends le plus, donc je prends 10 PV. Alors, activation des Terminators des Shroud. Donc on va tout taper sur le Swarmlord. Le truc c'est qu'il a une 3 plus 1 vue et qu'il réduit les dégâts de 1 en Stampede. Donc j'ai pas d'intérêt à frapper avec ma grosse force de 7. Donc ce que je vais faire, je vais saturer, ce qui me permet d'envoyer quand même un gros saut de dés à force 5, PA moins 20. Donc j'espère avec ça arriver à le tomber, on va voir tout de suite. Donc ça touche sur du 2. C'est plutôt chouette. Ça blesse sur du 5, puisque je suis force 5. Avec la reroll des As. Ce qui est plutôt bon ma foi. Hop. Et hop, et on a plein d'as. Hop, à reroll. Bah, c'est une petite reroll, ça. C'est une reroll faible. Et du coup, 3 plus 1 vu. Ouf. Ben, il reste un PV. Touk. Ok, donc je vais activer mes 3 petits pox sur le Stormlord, il reste un PV, donc ça peut être vraiment la pile de sel si ça se passe correctement. Je ne fais que 2 touches, je blesse sur du 6, allez le petit 6, une save. Une sauvegarde à 3. Attention Aimé, tout le monde te regarde. Oh. Est-ce que je la relance? Tu me ferais cet affront? Il te reste un PC. Il me reste un PC, ouais je vais la relancer. Bon. Il m'aura quand même fait pas mal d'invues à 3 ratées ce bougre. Fin de la phase de corps à corps, et ben ça s'est pas trop mal passé. Enfin, en tout cas, moi, ça s'est plutôt bien placé. Mais elle a malheureusement pas eu beaucoup de chance. Ici, donc le Swarmlord, bon, j'aurais espéré le tuer, mais je l'ai quand même réduit à 1 PV, c'est déjà pas mal. Le gros monsieur, je l'ai réduit à 4 PV. Merci les Pox et les Terminators qui ont fait le taf. Et de l'autre côté, Aimé a pas réussi à tuer mes quelques Pox qui restent. Bon, c'est pas game changer, mais j'ai encore des survivants là. Donc ça lui fera sans doute faire des choix. Ce qui nous amène donc à la fin de mon tour au niveau du scoring. Je ne marque pas la domination, malheureusement. Je vais prendre 4 points de Retrieve Narmoon Data, puisque je l'ai fait avec la petite troupe qui est cachée derrière la grande ruine là-bas. Je l'ai tué un monstre, donc du coup je prends 3 points pour avoir tué le prince Tyrannide Ailé. Non, 2. C'est 2 ? Oui. Ah oui, 2 points. 3 c'est les grands, ouais. Et ce sera tout, c'est déjà pas mal.
Ok, début de ma phase de commandement, j'ai récupéré un PC. Je vais mettre +1 la touche, toujours sur la Aveyarde. Je vais ensuite mettre +1 la touche de E sur le gros. Et voilà. Et j'ai mon pack qui est là, qui va mettre +1 la touche relayée par E sur lui. Et en ce qui me concerne de mon côté, j'ai toujours mon petit Aliman qui pompe les PC. Et ce sera non. Ok, donc au niveau de mon scoring, je vais marquer 12 de primaire parce que je contrôle 3 objets et plus que Bob. Et je marque 2 points parce que de toute façon, cet objectif-là de prise de milieu de table, je vais le faire. Donc ça ne bougera pas à ce niveau-là. Voilà, c'est parti pour la phase de mouvement. Ok, donc début de ma phase de. Fin de ma phase de mouvement, pardon. Donc du coup j'ai fait avancer mes hiérodules. Le but ça va être de cramer avec celui qui n'a pas le moins 1 là-dessus et lui il va cramer encore là-dessus. De toute façon c'est le but, c'est de satelliser ça, pas refaire la même bêtise que tout à l'heure, où là la niche pourrait la faire sera moins grave, de manière à pouvoir enlever cet objectif là pour que Bob n'en ait plus qu'un. Là, en fait, mon plan de charger avec les Aveyard c'était bien, mais en fait, je me retrouve bloqué avec depuis 2 tours, donc c'est pas le bon plan. Je pensais vraiment réussir à les tuer plus facilement, mais il se trouve que non. Donc, c'est comme ça. voilà pour ça. Et puis là, maintenant, on va passer à la phase de magie. Ça va être assez rapide. Le but du jeu, ça va être lui, il va mettre catalyseur sur lui. Il fait un péril, et il va prendre des 3 mortels. Il va prendre 3. Du coup, ma pauvre aimée. Il va faire un hurlement, un smite là-dedans. Ça passe, ça fait une mortelle dans les Dashwood. Et ensuite, on va passer au Swarmlord qui va mettre une invue à 4 sur lui. Ça passe, et en plus des 3 attaques. Vas-y, j'ai fait 8. Non, c'est bon. Et des 3 attaques qui passent à 10. Ouf, ça va être dur à jurer, mais c'est faisable. Et non. Ok, et donc c'est fini pour la phase de magie, on va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir, j'ai fait tirer mon barbet d'hirodule au close, une arme dans les 3 pox, il les a tués, et une arme dans les autres, il en a tué 2. Les lance-flammes se sont excités, ont tué quasiment tout seul le pack de Deschroud, il reste un PV. Le premier c'était lance à eau, mais alors le deuxième... Je vais charger avec le prince ensuite. Et là, je suis resté au close, donc c'est comme ça. Le Swarmlord est resté, donc là on va passer à la phase de charge. Ça va être assez bref. Lui va charger les thermies. Ça fait une charge à 5 parce que j'ai moins 2. Donc du coup, il va se mettre comme ceci. Le prince va charger notre ami ici. Et cette fois, je ne fais pas la même erreur. Je vais faire en sorte de prendre l'objet parce que je compte comme... Vu que j'ai perdu beaucoup 3 PV, donc 9 figurines. Je vais taper en dernier, mais bon, j'ai bon espoir de ne pas trop prendre cher quand même. Et de pouvoir tuer cette figurine. Et je vais charger avec mes guerriers sur les pox. Charge à 7. Charge à 7. Le but étant d'en mettre sur les objets. Dis-moi, mais aurais-tu l'intention de m'étouffer? D'étouffer mon scoring? Ouais, là, oui, un petit peu. Après, c'est un peu l'objectif. Oui. Ok, écoute, c'est parti. C'est parti. Je vais faire les touches d'impact avec le gros. Parce que c'est sympa, paraît-il. Non. Ça te coûte là, un PC les impacts ? Ça me coûte qu'un PC. Non, du coup, t'as plus de PC derrière. Du coup, j'ai plus de PC derrière, mais ce n'est point grave. parce que là, du coup, même si je t'en tue 2, je pourrais quand même faire mon pinning console et taper. Donc je fais. C'est un mauvais jet, mais en fait ça passe quand même. Quand je lance 18 dés à 3 plus, faut un très mauvais jet pour que ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je prends 6 morts, c'est ça? Enfin, 6 PV 3 PV, 6 mortels, ouais. 6 mortels, donc. Ça va faire un pop-pop. Ça fait un pop-pop. Ok. Et du coup, on peut enchaîner tout de suite avec la phase de close, qui va être assez simple. Le hiérodule, il a son D3 attaques supplémentaires, donc il va le faire. Ça sera 2 attaques supplémentaires, donc il y a 8 attaques. Il va toucher à 2+, parce que j'ai passé le bonus relançable, parce qu'il a ses griffes. Et il va blesser à 2+. Donc ça te fait, mon cher Bob, 7 sauvegardes à moins 3, donc on a vu à 4, et c'est des morts à chaque fois. Les a vu à 4, et ça fait 3 morts. 3 morts, il m'en restait 2, donc... T'en restais 3. 3. Et ils sont morts. Hop. Et Royaume de la douleur. Je vais faire mon pinning sur ce Death Road en le soclant pour qu'il puisse pas ensuite venir au secours des autres figurines. Et maintenant, je vais poursuivre. Mm-hmm. Je vais taper avec mes 3 guerriers sur les pox. Oui. Sur du 3+. Et sur du 4+. Ça fait 4 sauvegardes sur les pox en fine peine. Oui.
Et bah ça fait 3 morts. Et du coup, après, je suis en fight last là-bas, enfin en tout cas en pas charge. Donc, en pas charge. Donc du coup, on tape normalement, donc ça sera à toi d'activer si tu le souhaites. Oui, bah, bien sûr. Ou l'epox, ou là-bas, ou ici. C'est toi qui choisis. De toute façon, j'ai le choix, mais somme toute, il y a le prince qui va taper. Pop. Lui, il fera pas grand-chose. Je vais taper ici quand même, okay. Avant de mourir. Ça marche. Bravement. Donc lui, 3 plus, 5 plus 1 vu, c'est ça? Lui, alors il a moins 1 la blesse. D'accord. Donc si tu tapes en fouet, tu me blesses à 6. Je te blesse à 6, oui, mais mon mec derrière, il fait archi-contaminateur. Donc avec un peu de chance, eh ben, écoute, ça sur marche. Du 2. Hop. Les 6, c'était après, les garçons. Sur du 6. J'en ai 2. 2, et c'est full reroll. Tout à fait. Ça ben non, ça en, ça fait en fera que 2. 1 vu à 4. J'en réussis une, je prends un PV de plus, je suis à 4 PV perdus. Oui. Je reprends la main, je vais taper avec le Swarmlord dans les Deathwood. Nooooon. 2 plus, 3 plus, 3 mortels et 3 invus. 1 vu à 4. Bah, il y a 2 morts du coup. 2 morts secs. Aïe aïe aïe. Okay. Et la queue, j'oublie jamais vos queues, les amis. Eh ben, vous auriez pu. Vous auriez pu l'oublier. Ok, du coup. C'est à toi de reprendre la main, ouais. Bah, où tu veux. Du coup, là-bas, c'est... là, les Edgewood. Non, ça va être là, je pense. Sur ah, remarque, ici. Ici, on va essayer de faire le dernier guerrier. Ouais. Comme ça fera revenir un pox, si j'arrive. Ouais. 1, 2, 3. T'aurais 5 là en plus, hein. C'est ça? C'est faisable. Ouais, carrément. Incroyable. Il me reste un PV, je crois. Il te reste un PV. Hop, sur du 4. Ah. Ils sont un peu essoufflés. Re sur du 4. Oh, une seule. Oh non. Une chance sur deux de sauver mon guerrier. Allez. Ah oh, oui. Non, il meurt, le malheureux. Il décède. Il se fait croquer. Hop, ce qui me permet donc de mettre un petit pox où je veux à 2 pouces de mes bonhommes. Ok, bah écoute, je vais taper maintenant. Il n'y a plus vraiment si. Je vais taper avec mon. Vu que t'as tapé là, et bah je vais taper avec mon gros dans les pox. C'est du 3 plus reroll les 1. Du 4 plus reroll les 1, pardon. Et c'est du 2 plus et c'est des morts. Bah, il y a un mort où ça? Chez les pox. Ça, c'était flat beaucoup, je suppose. Oui, flat 4 minimum. Flat beaucoup trop. Et bah, je te laisse activer soit ton Deathroot, soit les pox. Mon Deathroot, j'ai déjà activé, aimé. Lui là? Ah, pas celui-là, par contre. De toute façon, maintenant, il n'y a plus que moi qui tape, non? Ah bah là, non, enfin, il reste là-bas, mais en fait, oui, tu peux... Là, ça change rien. Ok, le Deathroot, oui. Le valeureux Deathroot, on va tenter de finir le Swarmlord. De plus. 5 plus. Tout à fait. Ouh. Reroll des As. Non. Donc, 1 vu à 3. 5, 1 vu à 3. Et non. Est-ce et non. Qu'il explose? Oh oui. Non. Oui. Non. Bah du coup ça m'embête plus moi parce que du coup je vais prendre des 3 mortels ici. Je prends une. Une, ça va. Ouais, ça va, mais du coup oui, mais c'est quand même toi qui prends, ouais. C'est moi qui prends partout là. Non, c'est j'aimerais bien tuer lui. Lui. Ah bah voilà. non, c'était ah, c'était pour le ouais. Okay. J'avais dit c'était pour le. Maintenant c'est toi. Allez. Et bravo, voilà. Bah voilà, tes vœux sont exaucés. Bah ouais. Bon, bonsoir Lord. Au final, a consommé le gros impact ABM et en plus tu les déchroudes, donc c'est plutôt bien. Bon. Bah maintenant je vais activer mon prince dans lui, c'est du 2 plus. Mm-hmm. C'est du 3 plus full reroll. Ça te fait tout ça, on a vu à 4 pour dommage des 3 plus 1. J'en rate 2, donc des 3 plus 1 ça fait déjà 2 dégâts et mais il me reste un point de vie, donc je suis décédé. Attends. Ok. Ah oui, il te restait un PV. Il me restait un PV, ouais, suite à ton merveilleux tir de flammeur. Et du coup, je vais essayer de peeling pour engager l'autre. Ouais, et bah du coup, je l'engage, donc tu pourras taper, et surtout, tu pourras pas me mettre de coup de l'enflamme dans le coin du nez. Non. Et je vais taper avec mon guerrier, et regarde, le guerrier. Allez, petit guerrier. Oh. Et les Elfgard. J'ai mes pox encore qu'on peut taper là-bas. Ouais, mais j'enchaîne. Oui, enchaîne. 3 plus full reroll. Et 4 plus. Oh oui, j'aimerais tous les tuer. Oh oui.
Tenez les gars, tenez. Il y a au moins un 6, mais je crois que ça les tue tous quand même. 1, 2, 3. J'en avais 7. C'est ça. 6, et bah 6 pour 6, hein. C'est du pile poil. Et je vais faire mon mouvement d'engage du coup. Pour m'éloigner de. Ah non, je peux pas m'éloigner. Non, je peux pas t'éloigner de. Je reste là. Bah, c'est ça. Tant sinon, tu peux te rapprocher de moi, ça me gagne du temps. Non. Non. Par contre, tu pourras avoir un tir de contre-charge. Ouais, en full reroll. Ah non, ouais. Non, j'ai plus de PC. T'as plus de PC, t'as plus de PC. J'ai utilisé les PC pour. Ouais, tout à fait. Il reste des choses à faire, il reste des POX. Des petits POX. Combien m'en reste-t-il, Aimé? 3, 6, 9, 10. Tu tapes dans le gros pour essayer de le tuer. Je pense que je vais taper dans les. Dans les guerriers. Je vais taper dans les guerriers, ouais. Ça marche. Même et après, ce sera lui de taper 6. Aussi, du coup. Oui. Hop, sur du 4. J'ai plus de PC, là, je fais plus de mortal. Ouais. Hop, et sur du 4. Non, sur du 6. Ah non, c'est les guerriers. C'est les guerriers. Donc, du coup, ça en fait 3. Rien du tout. Hop. Et ensuite, les 4 attaques de Jean-Michel Fullblade Spawn. Yes. Hop là. Sur du 6. Rien du tout. Voilà, rien. Ok, fin du tour du coup. Ok, donc fin de mon tour. Donc ça s'est bien passé. J'ai nettoyé tout ce que je voulais globalement. J'ai même réussi à enlever les Dead Shroud avec le Swarmland. J'en attendais pas tant. Bob marque 2 points de monstre pour avoir tué le Swarmland. Moi, je continue à grapper du No Prisoner. Donc là, en gros, je vais marquer 2 points parce que je suis resté sur au centre de l'objo. Je vais marquer 2 points d'engagé sur tous les fronts. Et je vais marquer... et puis j'avais quoi d'autre comme ça? Les personnages, j'en ai pas tué. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Donc voilà, je rends la main à Bob pour son tour 3. Ce qui reste de ma main, tu veux dire? Non, reste de ta main. Début de ma phase de commandement. Donc de base, je reprends un PC. Maintenant, on va voir si le Taliman arrive à pomper suffisamment pour pouvoir en remonter un. C'est le cas. Donc je remonte à 2 PC incroyables. Sur les primaires, je marque donc seulement 4 points puisque je me suis fait étouffer sur les autres objectifs. Donc globalement, on va pas se le cacher, c'est compliqué. Ça va être compliqué de revenir. Sur les secondaires, on va voir durant le tour comment ça s'arrange. En phase de commandement, alors j'ai peut-être un petit tricks à faire ici. On va voir. Potentiellement, j'ai peut-être des choses à faire là. Et sur le reste, en phase de commandement, c'est tout ce que j'aurai pour moi. Ok, on est en phase de commandement et donc la fin de phase, juste avant le scoring. Donc juste pour m'assurer quand même que je reste suffisamment nombreux pour tenir ce objo, je crame un PC et je vais faire remonter 7 POX qui remonte sur du 3. Et c'est pas terrible les amis, j'en remonte que 4, mais c'est toujours ça de prix, donc je vais gonfler ces effectifs de 4 POX. Hop, poup, 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 poup. Alors globalement à la phase de move, on va pas faire non plus les miracles incroyables. Fin de ma phase de mouvement, j'ai suivi le plan que j'avais établi. Mon petit Taliman a fui, il a fait on va en retraite, se cacher des gros monsieur qui sont au milieu là pour éviter de se faire charger. En plus celui-là étant dans un cratère, hein, potentiellement il y a peut-être possibilité de l'embêter pour éviter une charge, notamment avec le bâtiment là. Ici on n'a pas bougé, là mon sorcier a fait une très grosse course pour se rapprocher du prince et mon full blight spawn s'est lui reculé. Ensuite les plagues marines qui étaient cachées derrière ont avancé pour, dans l'espoir de faire une charge et d'engager nos amis Hiveguard corps à corps. Et à la fin de mon tour est arrivé des renforts, 5 plagues marines qui sont arrivés là et qui vont donc faire les Narmundata dans ce quart de table où je ne l'ai pas fait. Je vais donc pouvoir passer directement à la phase psy. On va tenter de mettre la peste pulmonaire à ce gros monsieur-là. Hop, ça ne passe pas. C'est un 3, c'est dommage. Et on va tenter de mettre un smite ici. C'est un smite à 9. Moins 1. 7, 8. Smite à 8, 9. Ouais. C'est abjuré. C'est abjuré, donc en fait, ce sera une fatigue. Mais je prends une mortelle quand même. Qui fait prout. Non, il me semble qu'il faut que le pouvoir soit manifesté. Mais... Ok. Alors, phase de tir un peu anecdotique, puisque du coup j'ai tiré avec mes quelques tirs de bolter histoire de réduire potentiellement les effectifs des gardes tyrannides ici. Je leur ai fait que 1 PV. Je vais donc pouvoir tout de suite passer à ma phase de charge. Ma phase de charge va consister en les PM ici qui vont tenter de s'approcher là. Nous avions mesuré pour une charge à 4 et c'est une charge à 5. Et fin de ma phase de charge, je crois qu'Aimé. Je vais interventionner héroïquement ici. Oui. Avec mon merveilleux prince qui va faire de la bouillie de bouillie. Ah oui, je pense. Oui. Je pense que je vais souffrir. Je vais souffrir le martyr. Écoute, début de l'activation des charges. Yes. Je vais donc m'activer ici. Donc je vais faire ma consolidation de 3 pouces pour venir hop,
encercler ce petit Hive Guard et puis on va taper avec les Marines. Ok, donc ici Bob a tapé, il m'a fait un PV sur un Hive Guard et moi je vais m'activer du coup à mon tour, je vais taper avec mes guerriers dans les pox. C'est parti, c'est du 3+, et c'est du 4+. Et ça fait 3 films de peine à 6. 3 films de peine à 6, et donc morts. Ça fait 3 morts. C'est à moi de répondre. C'est à toi de répondre, tout à fait. Hop, 1, 2 et 3, et nous on va tout mettre dans le gros monsieur. Ouais. Et il nous reste un PC, donc du coup on va claquer un stratagème pour coller de la mortale sur des 6. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fera 22 attaques. C'est parti, sur du 4+, chaque 6 fait une mortale. Ouais. Allez, on veut des 6. Alors, le 1, tu prends des mortels. Le 1, c'est moi qui prends des mortels, donc il y aura au moins 2 6. J'ai 4-1. Ouais. En fait, c'est la stat, c'était la bonne stat sur les 1, mais pas la bonne sur les 6. Bon, ça. C'est la vie. Feel no pain. On le fait tout de suite. Tiens, du coup, ça me fera 3 morts. Hop, je me les note ici, mes 3 morts. Yes. Et maintenant, il faut que je blesse, et je blesse sur du 6. Allez, du 6. Hop, et bah, écoute, ça te fera quand même 3 saves. Incroyable. Et 2 mortels, donc faut que je... C'est ça. J'ai sauvegardé à 2. Et ben, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Tu es par des pox. Pauvre bête. Donc moi, il faut que je retire, on a dit, 3 figurines. Fin de la phase de corps à corps. Donc ici, on a les Hive Guards qui sont restés engagés avec les Plague Marines. Hein, les Plague Marines qui leur ont rien fait, qui ont fait des crasses. Même pire, en fait, ils ont pris un mort. Donc rentable, le Plague Marine. Ici, on a Papa Prince Tyrannide qui a écrabouillé mon Malignant Plague Caster, ou SMR répugnant pour les amoureux de la langue française. Et enfin ici, j'ai mon petit paquet de pox qui a bourmenté, c'est un mélange entre tourmenté et bourré, le gros hiérodule qu'il y avait là, et qui est donc décédé. Bon, globalement, on va pas se mentir, la partie là est plus que mal engagée, hein, je pense que ça va aller vite pour les derniers tours. Je donne donc la main à Aimé pour abréger les souffrances. Je gagne donc à la fin de mon tour 3 points pour avoir détruit une grosse bébête tyrannide. Ok, donc début de mon tour 4, je vais faire passer mon escouade ici super OP pour que je reprenne l'objet à Bob puisque j'en ai 6 et lui 5. Ensuite, je vais marquer 12 points de primaire puisque j'ai contrôlé 1, 2, 3, 4 objets. Donc ça va me faire passer à 12. Je vais rester sur l'objet ici et globalement, mes guerriers vont se mettre plus à la touche sur eux-mêmes. Mes guerriers là, relayés par eux, vont mettre plus un la touche ici. Et voilà. Et le prince va donner full reroll à personne. Et on va passer à la phase de mouvement. Voilà. Ok, donc phase de mouvement terminée. Donc mes guards sont passés super OP ici, de manière à, en gros, résister au super OP du Plague Marines. Le gros ici a avancé pour cramer les Plague Marines, pour soit les détruire, soit être en mode suffisamment affaibli pour qu'ils ne me menacent plus. Eux sont restés sur l'objet du centre pour marquer mes 2 points de primaire. Eux sont repartis de l'autre côté parce que j'avais plus personne ici. Mon prince est parti, le but c'est de balancer des tirs de dévoreur ici et de charger. De toute façon, vu que j'ai 8 figurines, 11, normalement je contrôlerai l'objet. Lui a avancé pour cramer lui. Et enfin, lui, je le tuerai au tour 5 parce qu'il méritera de mourir. Comme ça, il pourra compter au boulier le nombre de pertes chez lui avant de mourir. Ça va être propre à la fin de la partie. Voilà. Allez, on passe vite fait à la phase de magie. Ok, c'est parti. La phase de magie, j'ai fait un smite, j'ai tué 3 pox. Ensuite, je suis passé, j'ai pas fait d'autres sorts, j'ai pas envie de prendre un péril. Ensuite, je suis parti sur ma phase de tir. Lui, il a fait des dévoreurs, il en a laissé un vivant. Donc le but étant maintenant de le charger. Lui, il a mis un coup de lance-flamme dedans, mais il a fait qu'un seul PV, donc il est encore vivant. Et lui a lance-flammé, et lui par contre il a tué l'équivalent, il a enlevé 5 PV au Plague Marines, donc on a tué 2 et affaibli 1. Et maintenant on va passer aux charges, donc on va tenter ici, je pense que ça ne sert à rien de tenter, c'est une charge à 12, bah je la rate. Lui ici c'est une charge à 9, ça rate, et mon prince, ça va être une charge à 5 ou 6, et elle a fait 10, ce brave homme. Hop. Et du coup je vais faire taper mon prince dans le petit pox et ça sera terminé. C'est un full touche. Il est mort, il prend 4 PV, je pense. Que oui, je pense que ça sert à rien de lancer les dés. Adieu. Voilà. Et du coup, je marque 3 points de 2 points d'engage. Et je te rends la main et j'ai fait 2 points ici pour être au centre. Donc j'ai fait 2 en points d'engage. Je vais sans doute caper mon prisonnier. Et je fais les 2 points. Très certainement.
Alors, à mon tour, donc j'ai pris mon point de commandement. J'ai marqué 4 points ici grâce au point de vie offert par Aimé. Donc ça m'a permis quand même de gagner 4 points de victoire. Donc merci Aimé pour ça. De rien. À côté de ça, les plaques marines ont chargé ici et ils n'ont rien fait, grosso modo. Et là, j'ai chargé ici et j'ai tué un guerrier tyrannide. Et ça ne fera rien de plus. Et je ne contrôle même pas l'objectif potentiellement, puisque là je peux me faire contester. Donc on a 2 figurines chacun sur l'objet, mais elle en a 3 au total, donc ça n'est pas suffisant. Grosso modo, sur mon tour au niveau des secondaires, vous l'avez compris, c'est pas terrible. Je suis complètement essoufflé, je suis en lambeaux. Donc en termes de scoring, je marque rien sur ce tour là. C'est la fin, on passe au tour 5. Alors, on a enchaîné le tour, mon tour 5. Donc, mon tour 5, j'ai marqué 12 points de primaire plus 2 parce que j'étais sur le milieu de table. Et en fin de partie, il y a des chances que je remarque que 5. Donc, on va partir du principe que je mets 17 de primaire à ce tour-ci. Ensuite, le lance-flamme de lui a cramé E. Voilà. Et le prince, ici, a chargé lui et l'a tué au close. Et le lance-flamme de lui a tué lui. Donc en fait, j'ai tué tout le monde. La seule chose que je ne pouvais pas gérer, c'est ces 5 Plague Marines là. Donc du coup, Bob va sans doute réussir à assurer, à la fin de son tour 5, 4 points de primaire. Je te remercie de m'avoir laissé 5 Plague Marines et l'opportunité de pouvoir jouer un tour 5, c'est surtout ça. Exactement. Et voilà. Ok, donc le scoring de fin de tour 5 pour moi, j'ai marqué 17 points de primaire. Pourquoi 17? Parce que je mets 12 points de contrôle. Je mets 2 points parce que je contrôle ça et en fin de partie, je marquerai 5 parce qu'il ne sera pas possible de contester cette unité-là. Donc, ça me fait 17 points de primaire sur la fin de mon tour 5. Au niveau de la létalité, je vais marquer mes no prisoners à 15 points et j'ai fait engager sur tous les fronts à 3 points et j'ai tué 2 personnages qui fait 6 points de personnages à la fin de mon tour. Et je rends la main à Bob pour son tour 5. Oui! Donc pour mon tour 5, je vais scorer à la toute fin. Donc je vais gagner un PC, ce qui m'amène à un total de 3 PC. Les plagues marines qui sont là vont venir là. Je vais tout faire en une traite, hein, parce que j'ai 5 pouces de move. Donc mon but, c'est de venir ici. Alors, fin de mon tour 5, les amis. Ici, avec les plagues marines, donc j'ai avancé. J'ai mis une petite rafale de bolter. Derrière, j'ai chargé. Vu que j'avais 3 PC, j'ai infusé le tout. Et donc, j'ai lavé les quelques guerriers tyrannides, me permettant donc de récupérer cet objectif. Donc ça va me permettre de, au primaire, scorer 4 points à la fin de mon tour. Malheureusement, sur le reste, vous l'avez compris, au vu de mes ressources extrêmement nombreuses sur cette table, je vais marquer que très peu de choses, voire rien. On va donc, avec Aimé, prendre le temps de faire le calcul, et on revient après pour vous faire, pour donner le résultat et vous faire le débrief de la partie. Ok, donc fin de la partie, on termine sur un 85 en ma faveur et un 30 points pour toi. Ça s'appelle un 20-0, Aimé. Exactement. Exactement. Le 20-0 de bienvenue, c'est ça? Oui, on peut voir ça passages. Comme ça. Ouais. voilà, non, bah, c'est sûr qu'il y avait déjà un delta un petit peu inhérent aux deux codex. On avait, on avait en liaison discuté avant la partie pour essayer de proposer entre guillemets, une game intéressante. Ça donne quoi au niveau du score, du coup? Alors, bah, moi, je mets 45 de primaire. Donc, on abordera après les changements sur les nouveaux secondes, enfin, les nouveaux scénarios. Je mets 12 points sur 15 engagés sur tous les fronts. Je mets 15 points d'assassinat et je fais 13 points d'assassinat, donc ce qui m'amène à 85. Et toi, donc, tu fais 12 de primaire. Donc là, on voit quand même le changement un petit peu là-dessus. Là, dur. Mais en fait, on le verra après. On discutera. Mais le primaire, c'est vrai que je score très peu parce que je me fais étouffer. Voilà. On l'a dit pendant la game. La domination. Ça, on en avait discuté. Je t'avais. Alors, tu me l'avais déconseillé, mais comme je suis quelqu'un de borné, je tiens à tester par moi-même. Et effectivement, ça n'était pas une bonne idée. Donc, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Voilà, un engagé sur tous les fronts aurait sans doute été plus stable. Et ça n'aurait pas fait 12, hein, mais ça t'aurait apporté sans doute 6 à 8 points. Mmh. Ensuite, en monstre, c'est clairement le secondaire qu'il faut prendre contre du Stampede. Parce que de toute façon, si vous ne tuez pas les monstres, vous allez perdre. C'est ça. Donc il faut tuer les monstres, sinon ça va engendrer un delta de létalité. Donc tu ça me permet de marquer 7 points. Ouais, c'est quand même OK. Parce que la liste Terminus Est a quand même des arguments pour pouvoir le faire. J'en tue 3. Je suis plutôt fier de moi. Tout à fait. Et tu fais 8 points de data de ta Tanach Mound. Ce qui est complètement nouveau pour jouer de la Death Guard. Faire du Narmoon en Death Guard, c'est incroyable.
Après, tu as eu le problème de te faire un peu surprendre par ça, c'est qu'avant, tu faisais tes Narchmoon chez toi avec des persos, et là, maintenant, tu ne peux plus. Ouais, là, je peux plus. Et donc, c'est du vrai, coup, c'est t'es vrai, un qu'on peu a discuté en début de partie. Ouais. Parce que même, tu as eu de la chance, parce qu'au final, celui chez toi, tu l'as fait avec 3 Deschroud. 4 Deschroud, mais ça restait un jet. Donc, sujet à 66%, ouais. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Je pense que c'est une option qui s'envisage aujourd'hui. Mm-hmm. Mais l'époque, ne faisant l'action que d'Edguard, ça peut être un peu dangereux, effectivement. Très bien. Donc, voilà. Alors, donc, pour mon petit rétexte de cette partie, donc on en avait discuté avec Aimé déjà avant la game, on voulait essayer de proposer quelque chose de plutôt dynamique et de sympathique. C'était pas évident parce que pour ceux qui ont vu la vidéo de la tier list, on avait placé donc le Tyrannide en tier 1 et le Death Guard en tier 3. On voit qu'avec un écart de tier, les matchs sont difficiles. Je me suis essoufflé beaucoup plus vite que toi. Clairement. Donc compliqué. En plus, avec le chapter approved, toute mon armée, elle a pris, tout ce que j'avais aligné là a pris des nerfs en points. plus 15 sur le full blade spawn, plus 1 sur les pox, plus 2 sur les termites. Donc je trouve ça un peu incompréhensible. Mais bon, somme toute, on a quand même joué la game. C'était sympa aussi de montrer une Terminus Est et puis de la jouer un petit peu. Alors, même si Typhus a fini en pulpe, avec une erreur de placement, vous pourrez clairement m'envoyer du sel en commentaire et tous les gens qui me connaissent vont se charger de m'en envoyer en vrai. Il n'aurait pas été game changer, donc c'est pas une erreur qui coûte. Je pense pas avoir fait énormément d'erreurs, à part c'est plus l'erreur de secondaire qui me pénalise. Mais après, sur le reste de la game, moi je suis absolument pas surpris du résultat. Et puis, et après, en termes d'ambiance, moi j'adore passer du temps avec Aimée, donc en fait, chaque fois que je fais une game avec elle, moi je suis content. Donc, moi je suis content de la game, je sais pas ce que t'en penses. Écoute, moi clairement, je me positionne avec un codex qui est actuellement, qui clairement post-data slate, Chapter Approve se positionne à mon sens comme le meilleur codex avec le Drukhari. C'en est un peu dommage, parce que c'est vrai que moi j'aimais le Tyrannide pour sa polyvalence, etc. Là, même si je conserve un build de liste très proche de ce que je jouais avant, en fait, on se retrouve avec tout est plus simple. Et tout devient peut-être même un peu trop simple. T'as des problèmes de riche, en fait. Ouais, c'est clairement des problèmes de riche. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce scénar-là ? Alors, écoute, ce scénar, il change pas des masses, en fait, de ce qu'on jouait avant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut assurer une présence sur table. C'est renforcé comment ? Par le primaire qu'on a connu. C'est-à-dire qu'on marque 4, 8, 12. Mais en plus, on marque 2 points en plus. Donc ça, on va dire qu'on retrouve une ADN qu'on a déjà pas mal pratiqué dans les scénarios précédents. Le petit 5 points de primaire en fin de partie, j'ai envie de dire, il peut rattraper un late game un peu compliqué. Un late game compliqué, ou une préservation de ressources. Voilà, quelqu'un qui s'essoufflerait volontairement, enfin qui ne prendrait pas la map, mais qui jouerait sur le late game pour pouvoir récupérer l'objet en fin de partie en jouant en deuxième, par tout exemple. Tout à fait, tout à fait. Permet de ça rééquilibre, voilà, le fait de jouer en deuxième. Je trouve pas idiot. En revanche, ce scénario est quand même très, comme on le disait, ancienne version. Ouais. On a quand même des secondaires aujourd'hui, enfin des scénarios, pardon, qui sont très portés sur des actions. Ouais, tout à fait. Dont certains par des infanteries et voire carrément des super OP sur certains scénarios. En fait, il y a certains scénarios, on pense notamment au scénario avec les objectifs rémanents, donc les objectifs qu'on scorait qu'on prenait en phase de co et qu'on pouvait ensuite s'en aller. Pour ça, il faut que l'unité soit super opérationnelle. Donc ça veut dire que ça va réorienter le jeu vers de la troupe. Moi, personnellement, je suis plutôt contente parce que je pense que les ossatures d'armées doivent rester des troupes super OP. L'ennui, c'est que je pense qu'il y a des armées qui vont être excessivement fortes là-dessus. Je pense notamment au Custo qui a un kata pour faire des actions et bouger. Dès que tu as des chips troupes super OP, des petites chips troupes super OP que tu peux projeter, le Nécron va être content. Une baisse de points. Après, moi, je suis déçu parce que déçu, c'est un bien grand mot, mais dans le sens qu'on a tiré au dé pour avoir notre scénario et du coup, j'aurais voulu avoir un scénar avec des actions parce que j'avais amené des PM exprès pour ça. Alors, ils ont fait des actions, mais c'était pas les actions escomptées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du rapport de bataille, si comme moi vous êtes salé des nerfs de la Death Guard sur le CA 2020 ou si vous aimez pas les tyrannides parce que c'est pété. Non mais il y a une ours qui va arriver après. En tout cas, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous on vous dit ciao les seigneurs de guerre. Vous êtes tournoyeur, mais vous ne trouvez plus vos listes et ne retenez pas vos scores ? Vous êtes organisateur et en avez marre de perdre du temps entre Excel, PayPal, Gmail, Facebook ? Mini Headquarters est la solution pour vous ! Levez votre armée, inscrivez-vous en tournoi, soumettez votre liste et payez l'orga en quelques clics !
Et lorsque la bataille se termine, célébrez vos victoires et analysez vos défaites, tout en gravissant le tout nouveau classement Elo des joueurs français, uniquement disponible sur Mini Headquarters. Et pour les orgas alors, encore plus de fonctionnalités! Créez vos tournois, récupérez les paiements, corrigez les listes en un clin d'œil et lancez les appariements! Vous n'avez plus qu'à rentrer les scores durant le tournoi et MHQ s'occupe de tout. La ronde suisse, les appariements et même les tables. Alors, n'attendez plus, passez à Mini Headquarters, l'outil ultime du Wargamer.